Sogo, la forêt primordiale. Non, mon démon de la lune. Ok, donc on va appeler le public. Nous la soupe quand c'est la machine qui coûte froid et content. Que nous dégâchons les travail là pour ça attend. Nous t'es obligés même si nous partons content. Ouais, aujourd'hui, nous la soupe quand c'est la machine qui coûte froid et content. Que nous dégâchons les travail là pour ça attend. Nous t'es obligés parce que, Haïti, on n'a pas les bandits. C'est pour ça que Haïti, on est arrivé ni pas les yo. C'est mon mieux, pas y accepter 1804. Mais les nations, les gars, prennent sa vache à Haïti, on passe. Nous gagnons la force, parce qu'on va faire la chance. Même si on cache les forces, vous foutez nous en jeu. Si on va taper les wells, on va y venir les roches wells. Parce qu'on va faire, même si on a affiché wells. Aujourd'hui, nous la soupe étendre. Et ça va chier, nous nous trouvons les contons. Que nous nous cachons les travail là pour ça attendre. Nous sommes obligés si nous passons comme ça, ouais. Aujourd'hui, là, ouais, passe. You parlez nous. Ouais. Ouais. C'est la CIS. Ah. Passe. Mais vous savez, you parlez nous, parlez mais nous caillons parler comme les mailles, vous n'y pas pêché. Alors, on va nous garder vini par les nénénés, parce que nous qui parlons tant de ça, nous garder vini pour parler des nénés. Haïti, ça qui passe, n'a pas de nénénés, différent, n'a pas de nénénés. Mais, d'autres paris, on a des nénés, même si vous parlez des nénés, nous garder pas des nénés, qu'on est ça, des nénés, pas des vini, pas des bruits, nous a ça, pas des bruits, et dans ce mouvement, le son est là, le son est bon. Je vais demander dans cette salle, donc vous pouvez prendre des notes. Je vous invite à prendre des notes comme d'habitude. Sortez vos stylos, sortez vos enregistreurs. Fanny, moi, c'est que je suis timide avec la caméra, mais ça va pas diminuer la qualité de l'image. Ok. Donc, je vous demande aussi d'éteindre le téléphone, parce que c'est un cours qui va durer donc 60 minutes. Ok? Qui, dans cette salle, est sur cette terre depuis plus de 32 ans, les mains en l'air, s'il vous plaît. Qui a plus de 32 ans? Eh bien, je vous demande alors, s'il vous plaît, la permission de prendre la parole. Bien sûr. Et je demande toujours cette question trois fois. Non. Excuse-moi. Non. Ah, c'est la première fois qu'on dit non, maintenant. Je vais expliquer ça. Alors, toutes les personnes qui ont plus de 32 ans, est-ce que vous m'accordez la parole ce soir? Oui, bien sûr. Et une dernière fois. Oui, bien sûr. Est-ce que mes aînés m'autorisent à check le mic et à prendre parole dans cette audition? Je vous remercie. Vous savez, trois fois parce que c'est la répétition, c'est le principe du refrain, en fait, je crois. Que ce droit d'aînesse, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi trois fois pour être sûr que tout le monde ait bien entendu ta demande de permission, tu vois? Donc ça certifie la chose. Je vais vous demander aussi que, vous savez, ce n'est pas dans toutes les civilisations qu'on applaudit avec les mains comme ça. Alors, chez les sourds-muets, on applaudit comme ça. N'est-ce pas? Avec les deux mains. Dans d'autres civilisations, on va aboutir comme ça. Ok? Mais ce soir, je vais vous apprendre une technique, mais vous le savez déjà parce que vous êtes les fidèles. Si vous voulez manifester votre contentement, vous pouvez le faire comme ça, avec les deux mains, parce que je trouve ça largement plus convivial et beaucoup plus glamour. Donc, j'aimerais des applaudissements pour Kadipa et tous les organisateurs de cet événement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la... Enfin, en tout cas, ce qui me concerne, c'est la qualité.
Parce que devant, quand ils finissent, ils ne savent pas combien on est dans la salle. Mais tu ne finis pas la salle. Ah, des applaudissements pour vous-même, s'il vous plaît. Yeah, for real. Ok, now. On m'a contacté ce soir pour vous parler d'alimentation. Alors, vous savez très bien que ces temps-ci, ma nouvelle philosophie, c'est je ne parle qu'aux youth, en fait. Je ne parle qu'aux enfants. J'ai tiré un trait définitif, gros et indélébile sur la civilisation des adultes. Et aujourd'hui, tout ce que je fais dans la mesure du possible, c'est parler, écrire directement aux enfants. Alors, mon dernier ouvrage, qui est sorti il n'y a pas longtemps, traite de l'alimentation infantile. Tu te souviens, mon premier livre, c'était l'alimentation générale, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation infantile. Et quand je dis l'alimentation infantile, je parle nécessairement de l'allaitement maternel. Et en disant une chose, que moi, Cyril Xavier Gogo, je suis quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool. Je suis quelqu'un qui n'a jamais consommé de stupéfiants. Je suis quelqu'un qui n'a jamais fumé. Je suis quelqu'un qui ne possède pas de téléphone portable. Je suis quelqu'un qui n'est même pas sur les écrans et qui n'en possède pas. Mais je suis aussi quelqu'un à qui l'on dit, lorsque je raconte ça, on me dit, mais avec toi Cyril, ils vont faire faillite. Pourquoi ? Parce que si tu ne bois que de l'eau en termes de boisson, quelle industrie sur Terre, à part ceux qui fournissent l'eau bien entendu, quelle industrie sur Terre ? Ah, yes. Ok. Ils arrivent. Ils arrivent ? Oui, ils arrivent. Oh, non. Oh, non. Ok. Bon, s'ils arrivent, ils arrivent dans combien ? 2 minutes ? Ils sont en train de sortir, ils arrivent. Tu vois ? Donc, c'était l'échauffement. Ok. T'as vu ? J'ai déjà cassé ma voix. Mais alors. Bon, a cappella ? A cappella ? C'est bon. A cappella ? Yo parle nous jouer encore, non, non. Bah, yo parle nous gourmet encore. Aïe, yo ça. Bah, yo parle nous gourmet encore. Yo parle nous jouer encore, non, non. Bah, yo parle nous gourmet encore. Yo parle nous jouer encore, non, non, non. Bah, yo parle nous gourmet encore. Oh, yeah. Non, yo parle nous gourmet. T'as vu ça? J'utilise mes pieds, j'utilise pas de rythme aujourd'hui. Des applaudissements pour ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi? Parce que je choisis nécessairement des multiples de 9. 9, c'est le nombre de mois pour finir la gestation. 9, c'est le symbole de la vie éternelle, de le recommencement de cycle de la vie. Et vous avez un livre qui traite de cette guerre qui va s'effectuer désormais à travers des molécules. Et ces molécules vont ne plus pénétrer la terre, mais le corps que nous sommes. Tu vois ? Donc notre corps nous appartient. C'est quelque part un livre d'autodéfense médicale. Yes ? Alors les Rastas, ils vont parler de haïtanisme, de naturopathie, tu vois ? Et les autres vont parler de médecine alternative. Eh bien, c'est de tout ça dont je vous parle. Yeah. Lorsque je vais vous demander, est-ce que l'Africain est dans la cour ? J'aimerais que vous me disiez, oui, il l'est. Est-ce que l'Africain est dans la cour ? Oui, il est. Est-ce que l'Africain est dans la cour ? Oui, elle est. Et quand je vais vous demander, puis-je continuer, s'il vous plaît ? Si vous voulez que je continue, vous pourrez me dire, oui, on continue. Puis-je continuer, s'il vous plaît ? Oui, on continue.
Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui, on continue. Est-ce que l'Africain est dans la cour? Oui, il est. Est-ce que l'Africain est dans la cour? Oui, il est. Et enfin, je suis en train d'établir les règles. Tu vois, je veux dire. Parce que là, ça c'est mon petit royaume. Je suis un roi pendant une heure. Je fais ce que je veux sur mon royaume. Tu vois, je veux dire. Et enfin, Acabella, coupez tête. J'aimerais que vous me disiez boulet caille. Coupez tête. Boulet caille. Coupez tête. Boulet caille. Ok, le tempo ça fait coupez tête, boulet caille. 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 C'est le refrain, nous coupez tête, boulet. Vous laissez les frais, nous coupez tête, boulet. Aïna, y'en a un, j'aille, mais pas qu'à temps couper tête poulet. C'est le refrain, nous couper tête poulet. Pour le sel, les frères, nous couper tête poulet. C'est ma, on le voit, j'aille, et il couper tête poulet. C'est le refrain, nous couper tête poulet. Pour le sel, les frères, nous couper tête poulet. Rastafara, y'en a un, j'aille, pas qu'à temps saute, couper tête poulet. C'est le refrain, nous couper tête poulet. Pour le sel, les frères, nous couper tête poulet. C'est la CIA, Yuai, Jai, et coupez tête boulet. C'est le refrain, nous coupez tête. Pour le sel, les frères, nous coupez tête boulet. C'est l'air, on Yuai, Jai. Malheureusement, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que c'est imposé à nous, nous sommes en guerre. Est-ce que l'Africain est dans la cour? Oui. Est-ce que l'Africaine est dans la cour? Oui, elle est. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui. Mais on continue. Il a dit, le gars, trois heures. Et donc, cette guerre va s'effectuer, entre autres, par l'alimentation. N'est-ce pas? Oui. Alors, moi, je vous dis simplement, je vous en supplie. Et là, je parle aux enfants, je ne supplie plus les adultes. Je vous demande simplement, en termes de boisson, pour le Haïtal, on verra ça plus tard. En termes de boisson, on ne boit que deux choses, de la naissance à la mort. Quelles sont ces deux choses? Le lait maternel et l'eau. De la naissance à la mort, les deux seuls liquides qui pénétreront notre corps seront l'eau et le lait maternel. Selon vous, avec cette méthode que j'ai appelée l'opération EDM, parce que EDM c'est quoi? C'est l'eau de mer. EDM, eau de mer. L'eau de mer c'est le lait maternel, c'est l'eau qui sort de la mer. On est d'accord? Opération EDM, que de l'eau et que du lait maternel, de la naissance à la mort. En combien de jours, cacacola va tomber, si on fait ça. On est 400 milliers de prisonniers sur cette prison. Si les 50% de la population adoptait mon opération, en combien de jours cacacola tomberait? Vous savez. 7 jours, 3 jours, quelques semaines. C'est-à-dire qu'en pratiquant la simplicité volontaire, en disant non au reste, non à tout ce qu'on nous propose autre que de l'eau, nous faisons tomber notre ennemi pacifiquement. Nous faisons tomber celui qui nous empoisonne, en tout cas en termes de boisson, pacifiquement. Néanmoins, je répète, en termes de boisson, les deux seules boissons biologiquement nécessaires et vitales sont le lait maternel et l'eau. Tout le reste, non merci. Ça veut dire que tu vas perdre des gens. Ça veut dire que les gens vont plus être à t'écouter. Ça veut dire qu'il faudra que tu te disciplines. Ça veut dire qu'il faudra que tu te sèvres. Mais si l'enfant commence ça dès sa naissance, il n'aura pas besoin de se sauver, puisque c'est la seule chose qu'il voit. Donc il n'aura pas de déçu. Donc le diabète, avec mon programme, il descend en Martinique à zéro
Dans 5 ans, en 5 ans avec ce programme, il n'y a plus de diabète. Il n'y a plus de diabète qui est induit par la boisson. Il n'y a plus d'alcoolisme. Donc il y a moins de violence. Donc c'est plus safe pour nos youth. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais tes parents ne vont jamais te dire ça, à part si tes parents sont rastas, à part si tes parents sont adventistes. Ce que je dis, c'est que nos corps sont malades. Et la chose qu'on peut contrôler, c'est la boisson qui rentre dans notre corps. C'est la chose. C'est qu'en plus, l'eau, c'est pas gratuit en réalité. Mais pour ne boire que de l'eau, ça ne demande pas de diplôme. Ça ne demande pas d'argent. En tout cas, il y en a un en plus, mon pauvre soeur. Et si... Eh bien, tu es mon exemple. T'entends les bêtises? T'entends les bêtises? On m'a déjà trouvé. On a déjà fait les arrangements du mariage. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde vivait simplement comme toi, toute cette île que de l'eau, pas de diabète, pas d'alcoolisme, moins de violence, plus de moins de dettes, donc plus d'argent pour faire autre chose, pour investir, pour se détoxifier. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les adultes sont incapables de faire ça. Vos parents sont, et quand je dis vos, c'est entre guillemets. Vos parents sont incapables de mettre en place ce programme qui pourtant est gratuit, qui pourtant ne nécessite aucun diplôme. À chaque fois que quelqu'un te propose autre chose que ces deux choses-là, dis non merci et observe leur réaction. Ces gens-là vont te faillir parce que tu refuses leur poison. Ces gens-là vont te faillir parce que tu veux être simple. Ces gens-là vont te faillir parce que tu veux faire attention à ton corps. Est-ce que l'Africain est dans la course? Oui, il est. Est-ce que l'Africaine est dans la cour? Oui, elle est. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui, continue. Coupez tête. Coupez caille. Coupez tête. Coupez caille. T'as vu ça? T'as vu, j'ai changé mon style ou pas? J'ai progressé, ma soeur. Yo, man! So, quand je parle de lait maternel et d'eau, c'est parce que les maladies adultes sont notamment induits par les événements qui ont lieu lors du postpartum immédiat. Qu'est-ce que le postpartum immédiat? C'est la première année qui suit la naissance. C'est-à-dire que ce que tu vas manger entre le premier jour de ta naissance et un an plus tard aura le potentiel ou bien d'augmenter ton système immunitaire ou bien de le diminuer. Ce que je veux dire, c'est que plus une société, alors je vais le dire à l'anglais, si nous continuerons de ne pas allaiter, si nous continuerons d'allaiter aussi peu, si nous continuerons d'accoucher à l'hôpital pour des raisons autres que médicales, si nous continuerons à pratiquer des césariennes pour des raisons autres que médicales, si nous continuerons dans la monogamie sérielle pour des raisons autres que médicales, nous allons continuer de créer des générations entières rempli de violeurs, braqueurs, kidnappeurs, des zoukeurs. Je répète. Si nous continuons d'allaiter aussi peu, voire de ne pas allaiter, si nous continuons d'accoucher à l'hôpital pour des raisons autres que médicales, si nous continuons à pratiquer des césariennes pour des raisons autres que médicales, si nous continuons à pratiquer la monogamie sérielle pour des raisons autres que l'urgence, nous allons continuer à reproduire des générations entières remplies de violeurs, braqueurs, kidnappeurs,
comme si le fait d'être allaité te rendait plus humain. Eh bien, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que plus une société est dans le non-allaitement, plus ses enfants sont des futurs violents. Le fait de ne pas être allaité, ça augmente ce qu'on appelle le potentiel d'agressivité, c'est-à-dire la capacité de violence au sein d'un groupe social donné. Elle est proportionnelle, inversement proportionnelle à l'allaitement. C'est-à-dire que moins nous allons allaiter, et plus nous allons polluer le corps de nos nourrissons à la naissance, plus nous allons augmenter ce potentiel de violence et créer les futurs adultes que l'on voit aujourd'hui. Et je vais l'expliquer tout bonnement par ce qu'on appelle la biologie. Quand vous avez une société de violents comme la nôtre, vous remarquez que la psychiatrie va se charger de la prise en charge, de la gestion de ces violents avec une molécule très connue et très efficace qu'on appelle le Prozac. Donc, vous avez des sociétés remplies de fous qui vont remplir les hôpitaux psychiatriques. Et dans ces hôpitaux, vous avez des traitements constitués de psychotropes qui vont permettre de conjurer l'effet de la violence. C'est-à-dire que les psychotropes sont des calmants quelque part. Ok ? Donc, une société violente est une société qui possède beaucoup d'hôpitaux psychiatriques et de prisons, ça va ensemble. Hein. Sauf que, ça c'est la troisième, c'est la Trinité, ma soeur. La Trinité, je veux dire, ça. Et donc, ces psychotropes ont le potentiel de diminuer cette capacité d'agressivité. En fait, on traite les gens violents avec les psychotropes. Pourquoi ? Parce que dans ces molécules, qu'on appelle le Prozac et ainsi de suite, vous avez donc quelque chose qui permet de faire augmenter le taux de sérotonine. C'est-à-dire que quoi ? L'individu est violent, on le psychiatrise, on lui prescrit des psychotropes, et ces psychotropes ont le potentiel d'augmenter la recapture de la sérotonine. Ça veut dire que dès qu'on va injecter la molécule, le patient va redevenir calme. Pourquoi ? Parce que le Prozac, notamment, est un merveilleux recapteur de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du calme, on va dire. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire un minute. Sauf que l'effet secondaire, alors vous savez que presque tous les médicaments sont associés à des effets secondaires. Donc, l'effet secondaire de ces molécules sont si inquiétants que c'est presque plus grave de prendre la molécule que de ne pas la prendre. Et ce que je dis moi, c'est que si on allaitait les enfants dès le départ, on n'aurait pas besoin de leur donner du Prozac 30 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que cette sérotonine qui va être élevée grâce au Prozac et au psychotrope, cette molécule qu'on appelle la sérotonine, vous la retrouvez dans le lait maternel. Et pourquoi vous retrouvez cette sérotonine dans le lait maternel ? Parce que le lait maternel est un antidépresseur. Parce que le lait maternel est un calmant. Parce que le lait maternel, c'est un produit que les... Comment on appelle ceux qui font la musculation ? Les culturistes consomment pour la reconstruction musculaire. Ce que je dis, c'est que les peuples non violents, c'est-à-dire les peuples premiers, quand je dis non violents, on va dire moins violents, les peuples premiers, les peuples traditionnels, sont largement moins violents que les peuples nouveaux, c'est-à-dire l'Occident. Pourquoi ? Entre autres, pour la simple et bonne raison qu'ils allaitent plus. Entre 2,5 années et 7 années. Et lorsque tu es allaité pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 années, tu fais le plein de sérotonine. Tu fais le plein d'ocytocine.
Tu fais le plein de prolactine et ça va tout naturellement. Et je passe le cododo, je passe le massage, je passe tout ce qui va avec. Et ça va tout naturellement conjurer ce potentiel de violence. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en introduction? En termes de boisson, pour le haïtan, on verra ça plus tard. On laisse ça, je laisse la rasta s'occuper du haïtan. Ce que je dis, c'est que les êtres humains de cette planète n'ont que deux besoins en termes de boisson. Quels sont-ils? Le lait maternel et l'eau. Tout le reste est une abomination sur le plan biologique, tout le reste est une distraction sur le plan social, et tout le reste est une catastrophe sur le plan médical. Ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas d'alcoolisme lorsqu'on va mettre en place ce point. C'est impossible d'être alcoolique si on ne boit pas d'alcool. Et c'est impossible, effectivement, d'avoir des sociétés aussi violentes si, en termes de boisson, on ne consommait que de l'eau. C'est ça être un soldat. C'est ça être un militant. C'est ça être quelqu'un de viril. C'est savoir dire non en réalité. Tu comprends ce que je veux te dire? Comment? Alors je ne vois pas dans le public. Je ne vois personne. Donc je ne sais pas à qui je parle. Je veux dire, je ne parle à personne. Comment? Est-ce que l'Africaine est dans la cour? Oui, elle est. Est-ce que l'Africaine est dans la cour? Oui, elle est. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui, on continue. Comment? Vous savez que l'accouchement industriel, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on allait aussi peu? Beaucoup de facteurs font qu'aujourd'hui l'allaitement est en baisse. Mais ce que je vais vous dire prioritairement, c'est que faites attention à ce que vous mangez avant même de tomber enceinte. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, la détox commence dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tant est que votre grossesse soit difficile, vous risquez la césarienne. Aujourd'hui en France, la césarienne accuse un taux pathétiquement élevé de 1 cinquième. C'est-à-dire que une accouchée sur 5, 20% de la population enceinte, accouche par césarienne. Que ce soit justifié ou non, c'est trop. Pourquoi? Parce que la césarienne est un facteur de risque du non-allaitement. En fait, c'est même pas un facteur de risque de même. C'est un facteur de risque d'hypogalactie. Une femme césarisée a moins de lait dans les seins. Et je vais l'expliquer en quelques minutes, c'est très très simple. L'allaitement, pour que ça fonctionne, vous avez besoin de 3-4 hormones. Mais ces hormones, elles connaissent un déficit en cas d'accouchement chirurgical. En cas de, tu sais, quand tu es cisaillé, c'est-à-dire la césarienne, en cas de stress, parce que l'hormone du stress, entre parenthèses, l'adrénaline, est antagoniste à l'ocytocine, c'est-à-dire que l'hormone qui permet de fabriquer le lait, eh bien, elle connaît un déclin lorsqu'on est stressé, parce que les deux hormones sont antagonistes. Et tout naturellement, lorsque la femme est sur le dos et qu'on lui dit bah, « je vais vous couper pour sortir le yout », pourquoi? Parce que tu ne peux pas pousser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez fait de sport, et tu n'as pas mangé à l'état, et tu n'as pas fait suffisamment attention à ta santé jusque-là. Ou parce que tu suis la mode, ou parce que tu as peur de la douleur. Peu importe. Le fait est que lorsqu'on cisaille l'être humain au niveau du pubis pour sortir un yout, eh bien l'ocytocine qui permet à la femme de produire ce lait est en déclin. Pourquoi? Parce que cette hormone, c'est comme un avion, elle a besoin de pistes d'atterrissage pour fonctionner. Et vous avez dans la cavité vaginale des récepteurs à cette hormone qui font que c'est uniquement lorsque l'enfant va sortir par l'unique voie prévue à cet effet, que cette hormone va pouvoir fonctionner de manière physiologique. Parce que c'est dans la cavité vaginale que vous retrouvez
les récepteurs, entre autres, hein, vous avez aussi ces récepteurs dans les glandes mammaires. Mais lorsque l'enfant passe par la voie vaginale, je répète, la seule voie qui peut faire ce qu'il fait, ces récepteurs qui se situent sur les parois endométriales et ainsi de suite vont s'activer et vont permettre à l'hormone de l'allaitement d'atterrir sur ces récepteurs. L'hormone va pouvoir envoyer le message au gland de la mère en disant « Il y a un enfant qui vient d'arriver, il faut allaiter. » C'est pour cette raison que les femmes qui sortent l'enfant par la voie haute mettent plus de temps à lacter et ont moins de lait dans les seins. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui passe pas par la voie vaginale ne peut pas activer ses récepteurs et le corps se dit bah, « L'enfant est sorti par le haut. » En fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'enfant. C'est comme si l'enfant était mort. Y a-t-il besoin d'allaiter un enfant mort ? Non. Donc le corps va se dire « Ok, bah je ne fabrique pas de lait. » Raison pour laquelle, entre autres, comme j'explique dans mon troisième livre, les femmes césarisées ont moins de lait dans les seins. Je le répète, l'interrupteur, pour faire simple, on ne va pas rentrer dans la biologie, j'ai pas le temps, mais l'interrupteur qui permet à ton corps d'activer la lactation se situe au niveau de ton vagin. Et c'est l'enfant qui va passer par cette voie vaginale qui va activer en quelque sorte ce processus. Et lorsque l'enfant, il passe par... Oh, il y a trop de livres, j'ai écrit trop de livres. Je suis en train de trébucher sur mes livres, trop de livres. Est-ce que l'Africain est dans la cour? Oui, il est. Est-ce que l'Africain est dans la cour? Oui, il est. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui, on continue. Amen. En sachant que, n'oubliez pas, les maladies adultes ont une genèse au niveau du postpartum immédiat, notamment cette période critique où l'enfant va être oui ou non allaité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et un moment. Donc l'enfant n'est pas allaité. On a bien vu, un cinquième, c'est la prévalence de la césarienne. Lorsque l'enfant n'est pas allaité, il faut forcément le nourrir autrement. Et la substitution de premier choix, c'est le lait en poudre. J'ai suffisamment parlé du lait en poudre, en fait j'ai suffisamment parlé du lait bovin pour que vous sachiez que le lait en poudre n'est pas un aliment vivant, c'est un aliment pasteurisé, c'est un aliment qui contient des sucres non physiologiques, c'est un aliment qui ne va pas pouvoir faire maturer ton système immunitaire, c'est un aliment qui va détraquer ton microbiote, c'est un aliment, en plus c'est réchauffé au micro-ondes, donc aussi, ça c'est aussi à jeter par la fenêtre, avec la télé et tout ce qui s'en suit. Ce que je dis, l'enfant est empoisonné dès les deux premiers jours, les deux premières heures de sa vie. Et c'est le fait de ne pas l'allaiter qui va compromettre son microbiote. Mais dans la mesure où le microbiote, c'est la famille de bactéries qui peuple ton intestin, d'accord ? Et le lait maternel va pouvoir renforcer ce microbiote, contrairement au lait en poudre, qui va l'affaiblir. Et lorsque le microbiote est affaibli, c'est le système immunitaire lui-même qui est affaibli. Et le corps va se combattre. Mais ça va se traduire par quoi ? Par un psoriasis 15 ans plus tard. Par une dépression 25 ans plus tard. Par des envies de viol 35 ans plus tard. Par des envies de suicide 45 ans plus tard. Par une élévation, une hausse de cette capacité d'agressivité. Et c'est tout naturellement un phénomène extrêmement complexe que je décris dans mon livre. N'est-ce pas ? Avant, j'avais pas de livre, donc je pouvais pas lire ça. Maintenant, j'en ai trois. Ça va ? Pas enfin, moi, ça va ? Est-ce que le public, vous m'entendez bien ? Oui. Est-ce qu'on me suit pour l'instant ? Oui. Et enfin, l'applaudissement pour le public. Hein ? Donc, ce que je vous demande, en fait, ce que je vous ordonne de faire, c'est de me donner la direction de votre centre pédiatrique, c'est de me mettre à la direction de votre crèche, c'est de me mettre à la direction de votre clinique pour enfants. Pourquoi ? Parce que voici mon CV, et voici mes preuves devant. Tous les gens qui sont devant là sont mes preuves. Soit. Et au moins, est-ce que l'Africain est dans la cour ? Est-ce que l'Africaine est dans la cour ? Oui, elle est. All right. So,
Ce monde vous empoisonne. Nous, les adultes, nous vous empoisonnons. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui vous empoisonne. Hein. Vous savez, le poison qui arrive dans votre corps, il ne vient pas d'ailleurs. Hein. C'est des gens qui vous le donnent. C'est nous, les adultes, qui sommes responsables de ce carnage. C'est nous, les adultes, qui devrions vous demander pardon. C'est nous, les adultes, qui devrions vous dire, garde, je ne savais pas, je m'excuse. Je ne savais pas, monsieur les Rasta, j'ai trop eu peur d'eux, j'ai pas eu le courage d'aller les voir pour qu'ils m'apprennent le haïtan. J'ai pas eu le courage d'aller voir les bobos pour qu'ils m'apprennent le haïtan. Donc déjà, je dois vous demander pardon au nom de tous ces démons qui ne vous ont jamais demandé pardon. Au nom de tous ces démons qui vous empoisonnent et qui sont contents de le faire. Je vous demande pardon et je vous le ferai tous les jours de ma vie. Pourquoi ? Parce que si personne ne se repentit, vous risquez de répéter exactement les mêmes errances, les mêmes erreurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Faites attention à votre haïtaï dès que vous êtes conscient que le problème est réel. N'attendez pas d'avoir des maladies, n'attendez pas de tout. N'attendez même pas. En termes de boisson, on ne consomme que de l'eau et de lait maternel. Tout le reste, c'est non merci. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Votre famille va vous haïr. La société va vous rejeter. Sauf que vous serez en accord avec le programme. Vous serez même en accord parce que vous ne pourrez jamais tomber dans l'alcoolisme avec ce programme. Et plus une société fait attention à son alimentation en étant jeune, moins cette société est violente. C'est clair et net que la prescription contre la violence et les viols et les meurtres qui balafrent cette société. Eh bien, l'une de ces prescriptions, c'est de faire attention à son alimentation des petits, comme le font les Rasta et comme le font les adventistes, et comme le font ma sœur Mylène, qui est ici ce soir, dont on va lui donner des merci d'applaudissements à Martin Bébigor. Yes. Bravo. Puisqu'on est dans un cadre particulier où je ne peux pas faire une conférence, parce qu'une conférence, normalement, c'est 2h30, hein. Là, je vous parle avec mon cœur, en réalité. En fait, je suis en train de vous supplier. Tous les adultes de cette planète sont vos ennemis informels. Qu'est-ce que ça veut dire, informel? Ça veut dire que ce n'est pas vraiment de leur faute, en réalité. Quand ils vous empoisonnent, ils ne vous disent pas « Je t'empoisonne, mais je m'excuse, c'est parce que je ne peux pas faire mieux. » Ils ne vous disent pas ça. Non. C'est quand vous tombez malade qu'ils vont se demander mais pourquoi t'es malade. Sœur, tu m'as nourri au gluten, tu m'as nourri au sucre, tu m'as nourri à la télé, tu m'as nourri au micro-ondes, tu m'as nourri aux OGM. Oui, c'est difficile de se passer de tout ça. Surtout si on commence le sauvage tard. Mais la chose que tout le monde peut avoir accès, c'est de boire que de l'eau et de lait maternel en tant que boisson. Personne ne peut vous empêcher de faire ça. Personne ne va vous gerver de personne. On vous propose des trucs non merci. Le non merci, deux mots, peuvent faire chuter des entreprises. En 7 jours, Coca-Cola tombe, Dillon tombe, Damoiseau tombe, tous ces alcools tombent, l'hydrognerie tombe. Ils sont incapables de faire ça. Vos parents sont incapables. Quand je dis vos parents, c'est entre guillemets. Je ne parle pas parce que je sais que tes parents sont rassemblés. Donc forcément, c'est pas de moi. La sobriété heureuse, le minimalisme. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quoi d'autre encore? Sobriété heureuse, minimalisme, l'ascétisme. Dans cette civilisation, on ne doit pas avoir de dette. Les enfants, vos parents sont endettés. Bon, ils ne vont jamais vous le dire, c'est clair, ils ont trop honte. Ne tombez jamais dans les dettes. Pour aucune raison que ce soit. Ne tombez jamais, jamais dans les dettes. Pourquoi? Parce que vous serez tellement attaché pour rembourser vos dettes. Et généralement, lorsqu'on est addict, lorsqu'on n'a pas de contrôle de ses pulsions, notamment sexuelles et alimentaires, on tombe rapidement dans les dettes. C'est pour ça. N'oubliez pas, l'eau et le lait maternel. Je vous en supplie. Ok? Yama, des applaudissements pour ceux qui viennent d'arriver chez vous. Bon jeûne. Yes!
vous disais tantôt, plus une société est allaitante, moins cette société est violente. Vous vivez et nous vivons. Et si vous voulez des détails, comme ça, que je répète toutes les 5 minutes, ça m'énerve un peu. J'ai écrit des livres sur ces questions. Ils sont là, ils sont dans le stand là-bas. Si vous avez des questions, c'est après, dehors. Vous vivez dans une société, nous vivons dans une société où la schizophrénie en Martinique, c'est numéro 1 dans le monde, à mon passage, cancer prostatique et 3-4 autres maladies de civilisation dont nous sommes les champions sur la Terre, en fait. Cette île est gravement malade. Et nous sommes responsables. C'est-à-dire que les enfants sur lesquels on crache tous les jours, ils sortent de nos corps, je vous le rappelle. Donc nous sommes, c'est pas la faute à l'homme blanc, c'est pas la faute à la femme blanche, c'est pas la faute au système, c'est la faute à moi. Je suis responsable. C'est moi qui dois faire manger un putain de doute. Tu vois ce que je veux dire? Bon, forcément, c'est de se manger, il vient de... On sait de qui ça sort. Hein. On sait de qui ça sort, se manger. Tu vois ce que je veux dire? Raison de plus pour dire à ces entreprises, les gars, ça c'est pas nécessaire, je ne bois pas. Tu comprends ce que je dis? La puissance est dans ta poche, la puissance est dans ton, entre guillemets, boycott, la puissance est dans ta simplicité. La puissance, c'est-à-dire que tu vas tellement les influencer, tu vas tellement leur faire peur. Ces adultes auront peur de vous lorsque vous retomberez dans la simplicité volontaire, lorsque vous retomberez chez, comme chez les Rastas en réalité. Pas de fumette, pas de buvette, pas de club. À 18h, on rentre chez nous comme le soleil, on rentre chez nous, on sort pas la nuit, on boit que du lait en termes de boisson, on boit que du lait macaque en termes de boisson. Fuck la télé, fuck le micro-ondes, fuck tout ce genre de macaque. Simplicité volontaire, pas de dette, pas de monoparentalité, pas d'enfant à droite à gauche. Boum, discipline, comme un soldat, parce que nous sommes en guerre. Pas parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'on nous attaque tous les jours. Et résister par l'alimentation, c'est une priorité. Et c'est aussi une force. Comment ? Est-ce que l'Africain est dans la cour ? Oui. Est-ce que l'Africain est dans la cour ? Oui. Puis-je continuer, s'il vous plaît ? Oui, on continue. Comment est-ce qu'on applaudit ce soir ? Ça veut dire que si vous voyez des gens applaudir comme ça dans le monde, eh bien c'est qu'ils sont passés par ma conférence. Ça commence à bien faire. So, tu vois, là je suis un petit peu en freestyle, ça veut dire que c'est le mode BLC. C'est quoi BLC? C'est on s'en bat les couilles. Ouais, mais moi je ne dis pas qu'on s'en bat les ovaires, c'est la même chose. BLO, BLM pour les femmes. BLC, BS pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité on s'en bat les couilles? Ça veut dire que dès qu'on propose un truc, il dit non merci, je m'en bats les couilles. Tu veux boire ça? Non merci, je m'en bats les ovaires, tu vois. Non merci, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu veux. Boum, je ne bois que de l'eau et du lait maternel en termes de boisson. Je ne veux pas te boire. Ça veut dire que je ne fête pas tes macaques. Je ne fête aucune fête d'ailleurs. Ni anniversaire, ni carnaval, ni jour de l'an, ni machin. Simplicité volontaire. Parce que les économies, c'est important. Chaque fête, c'est des milliards qui s'en vont. Dans l'ivrognerie, mais vous le savez. Mais l'addiction, elle est là que nous ne pouvons même plus se passer de ça. Lorsque les gens m'entendent dire que je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris d'alcool, je n'ai jamais consommé d'alcool, je n'ai même goûté d'alcool, je n'ai même pas de télé, je n'ai même pas de téléphone portable. Et les gens te répondent, mais avec toi Cyril, ils vont faire faillite. Si avec un grand maigrichon, ils vont faire faillite, imaginez si tout le monde le faisait. Si avec moi seulement, ils vont faire faillite, imaginez si 400 milliers de prisonniers de cette île le faisaient. Vivre simplement, enfin en tout cas le plus simplement possible. Tu comprends ce que je veux te dire? Les enfants, ce que je veux vous dire, c'est que vos parents ne vont jamais de cette vie vous demander pardon de vous avoir empoisonné. Ils ne vont jamais, à part les exceptions qui sont sous la droite, vous dire ne buvez que de l'eau. Vous dire n'ayez pas de dette. Vous dire ne cédez plus aucune fête. Nous sommes en guerre. C'est l'autodéfense, c'est l'autosuffisance, c'est boum boum boum. Et pour se faire plaisir, on écrit, on lit, on fait du sport, on médite, on... c'est ça le plaisir, c'est ça l'activité. Autre que la guerre, tout le c'est danser. Chut, on se rend, on arrête même la musique. C'est trop, Cyril, tu es trop violent, trop raciste, trop
pellicule. Les gens ont peur de ton frère parce que ton frère dit ne fais que lui. Mais ils n'ont pas peur de ceux qui te disent prends chlordécone, prends fumette, prends buvette, prends mine, machin, prends etc. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur de ton grand frère parce que ton grand frère te dit ne bois que de l'eau. Parce que ça, ça fait peur au plus grand des démons. Et quand tu vas savoir tenir et te dire je m'en bats les couilles, BLC, je m'en bats les couilles, BMO, bleu, je m'en bats les ovaires, ce que tu me proposes, je vais trier, je vais prendre uniquement ce qui est nécessaire à la biologie. Ils vont avoir peur des vous, les youths. Nous, parents, je ne suis pas parent. Et d'ailleurs, je ne veux pas l'être, parce que ce monde ne mérite pas ma semence. Les adultes n'ont pas prouvé qu'ils sont véritables de ma semence. Eh bien, nous, adultes, nous, vos parents, nous ne vous méritons même pas. Parce qu'on va dire, c'est dur de se sevrer du sucre. C'est dur de... Commence pas le programme que de l'eau. Tu vas vite te sevrer du sucre. Si ton corps a l'habitude d'ingérer que de l'eau neutre, il va vite. Déjà, l'eau, en plus, c'est un très bon solvant. Ça va vite te détoxifier. Enfin, vite, entre guillemets. Hein. Ça prend 3 ans chez l'autre, 5 chez l'un, 5 chez l'autre. Mais la patience. Et de toutes les manières, si l'enfant n'a consommé que ça depuis la naissance, il va se sevrer de quoi? Il n'a rien à se sevrer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tous les autres sont difficiles, mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à ne boire que de l'eau en termes de boisson? Ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas de machin, ça ne demande pas de faire des études, ça ne demande pas d'avoir un travail, ça ne demande presque même pas d'avoir d'argent. Parce que l'eau, tu la consommes déjà. Tu comprends? Mais tes parents ne vont jamais de cette existence de le dire. Eux-mêmes sont addicts. Tu comprends ce que je veux dire? Nous devons vous demander pardon. Tous les jours, publiquement. C'est pas en catimini, rapide, désolé, non. Ce sont des excuses mondiales pour dire aux enfants de cette planète que prenez en main votre naturopathie. Faites des études de naturopathie au lieu de mettre ton argent dans l'alcool, dans ce genre de macaquerie, mets l'argent dans les études de naturopathie. Fais ça chez toi, fais doula. Prends tes vacances, prends des années sabbatiques, et pendant ces années sabbatiques, tu lis le livre 3 fois chacun. Ça fait 3 livres, fois 3, ça fait 9. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le public, même auditoire. Vous savez, c'est un honneur d'être là. C'est un honneur d'être là parce que en tant qu'homme, on me dit, mais pourquoi c'est toi qui nous parle de gynécologie obstétrique? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut me remplacer? Un ou une, est-ce que quelqu'un, quelqu'une dans cette salle peut me remplacer en fournissant un travail équivalent ou supérieur? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut venir me dire, bon Cyril, on va le remplacer et on va fournir un travail équivalent ou supérieur? Parce qu'on ne veut pas que Cyril prenne de la gynécologie parce que c'est un homme. Ok, quelqu'un peut-il me remplacer? Est-ce que à part Mylène, c'est Mylène ou c'est... Il y en a un. Est-ce que à part Mylène, quelqu'un ici peut me dire moi je ne consomme que de l'eau, moi je n'ai pas de téléphone portable, moi je n'ai pas de télé, moi je n'ai pas de micro-ondes. Tu comprends ce que je veux dire? Vous voyez, l'homme que je suis a été très intimidé lorsque je suis parti dans la gym, parce que moi étant maigre, j'avais des gros complexes par rapport à ma virilité. Et je suis entré dans cette salle de gym et j'ai vu tous ces gens qui m'ont fait énormément pitié. Pourquoi? Parce que la virilité, c'est pas les muscles. Et à ces gens, je leur ai dit, mais vous poussez des poids de 100 kilos. Ça vous dit qu'on boit que de l'eau et qu'on arrête la viande? Ces gens-là commencent à tomber devant moi. Ces gens-là commencent à avoir pleuré. Tu soulèves des 120 kilos tous les jours, frère. T'as pas la putain de force de boire que de l'eau, frère. C'est quoi? C'est que l'homme, ça, là? Vous savez pourquoi? Parce que la ville
vous savez, des citadins. En ville, on ne veut pas être viril. C'est-à-dire qu'un homme de la ville, comparativement à l'homme de la campagne, l'homme de la ville a un déclin en virilité. Et pour compenser ce manque de virilité, il va passer par des exutoires. La voiture, les gants et la gym, et entre autres. Parce qu'en ville, la virilité, principalement, c'est une hormone, testostérone, et ainsi de suite, qui ne peut pas s'exprimer de manière saine. Pourquoi ? Parce qu'en ville, il n'y a rien à chasser, il n'y a pas de sion, il n'y a rien à cueillir, les surfaces sont planes, donc le corps ne peut pas s'exprimer de manière physiologique, ce qui fait que le corps va s'atrophier quelque part. Et cette testostérone a besoin de s'évacuer, donc elle va s'évacuer par des exutoires, des défouloirs qu'on appelle le foot, la coulisse, le gang et la gym. Alors ces gars tout compensés sur la musculature ne sont pas simplement en train de compenser une hormone qu'ils ne peuvent pas exprimer de manière naturelle. Tandis que lorsque vous allez dans la campagne, vous voyez des vrais hommes pour la première fois de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'à la campagne, ils sont obligés de chasser, de pêcher, de porter des choses, d'utiliser son corps de manière physiologique, d'avoir l'instinct de chasseur, d'avoir l'instinct de pêcheur. Tandis qu'en ville, on est tellement assisté et on est tellement aseptisé que tout est propre, c'est trop lisse. Ça veut dire que la biologie ne peut pas s'exprimer de manière saine. Et cette hormone, eh bien, elle va se cumuler et devenir un déchet. Et ce déchet va faire que la virilité et la féminité d'une femme en ville, c'est pareil, ça ne peut pas s'exprimer. En ville, on ne peut pas te dire, tiens, sors ton sein et allaite. On allaite moins en ville qu'on allaite chez les peuples premiers. Parce que cette hormone, qu'on appelle l'ocytocine, eh bien en ville, elle s'exprime très mal. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est le stress. Plus on est stressé, moins on a d'ocytocine. Et moins on a d'ocytocine, moins on allaite. Les gens de la ville ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui essaient d'exprimer leur biologie de manière anarchique. C'est comment se fait ? Alors, il n'y a personne qui prend des notes. Je les ai prises pour vous, j'ai tout écrit trois livres ce soir. Est-ce que l'auditoire, ça va ? Il y a moi. La force auditoire, yeah. Yeah, for real. So, pour reconquérir votre corps, il faudra tout naturellement se rediriger vers la nature. C'est obligatoire. Marcher pieds nus sur la terre. C'est ça aussi la ville. La ville, c'est tellement artificiel qu'on est obligé de s'adapter à la ville avec des chaussures. Tandis qu'en campagne, c'est-à-dire dans les milieux ruraux, vous avez la voûte plantaire. Et cette voûte plantaire, elle te permet d'opérer un tri sélectif entre les matières nocives et les matières nutritives du sol. Donc quand tu marches pieds nus, tu échanges des informations avec le vivant. Et c'est pour cette raison que les patchs tabagiques, vous savez, les patchs tabagiques, ils collent sur la peau pour se sevrer du tabac. Mais si tu avais appliqué le programme EDM, c'est-à-dire on ne fume pas, on ne boit pas, on ne marche pas, tu n'aurais pas besoin de te sevrer. Mais ces patchs tabagiques qui coûtent, hein, qui te coûtent de l'argent, je te le rappelle, ces patchs tabagiques sont faits à partir de vinaigre de bois. Donc plutôt que d'acheter des pharma, marche dans les bois pieds nus. Tu n'auras pas besoin d'acheter, de te sevrer par Big Pharma. Parce que la terre est celle qui nous rééquilibre sur le plan biochimique. Rapprochez-vous, quoi qu'il en soit. Où que vous soyez, même si c'est un jour par mois, mettez les pieds dans la terre. Même si c'est un jour par mois, mettez les pieds dans la terre. Ok ? Souvenez-vous de ce principe. Les êtres humains ne peuvent pas être virils et féminins. En ville, c'est impossible, l'hormone est bloquée. Donc ils vont essayer tant bien que mal. Est-ce que vous comprenez le fond de mon message ? Alors je ne vous vois pas. Je ne vois pas vers le fond. Mais il y a un moins. Alors là, je vous vois un peu mieux. La conclusion est la suivante. Vous voyez, j'ai mon bocal, donc on va boire de l'eau dans du verre, dans des bocaux en verre. C'est possible, hein, parce que vous savez que le plastique, c'est du pétrole. Et plus le plastique chauffe avec donc, le soleil,
eh bien, vous avez ce format DI qui va pénétrer l'eau, ainsi de suite. Donc, vous avez là les cocos en verre, et vous avez là le charbon dedans, tu vois, le charbon dedans. Bon, et j'ai mis une chaussette pour protéger. Parce que moi, je chausse du 48. Et pour élargir mes chaussettes, la veille, souvent, si je dois sortir beaucoup moins, la veille, je mets la chaussette dans la bouteille pour élargir le truc. Et un jour, une femme me dit, mes frères, si j'utilise les bocaux en verre pour le biberon, mais ça va se casser. Et je lui dis, mes soeurs, moi j'ai une protection pour toi. Opération chaussette, tu protèges tes bocaux avec avec ton ingéniosité. Alors maintenant, mes chaussettes, ça me sert de protection. C'est-à-dire que ton cerveau, quand il marche, tous tes problèmes peuvent se simplifier, peuvent se régler simplement. Puisque je marche beaucoup plus pieds nus, je mets moins de chaussettes. Donc les chaussettes, j'ai utilisé ça pour faire des protections. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais pu déposer un brevet pour ça. Mais non. Non. Que de l'eau en perte de boisson, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les gens qui vous empoisonnent, toute cette société. Attends, je vais descendre un peu. Oh ! Toute cette société veut vous empoisonner. C'est clair, vous avez bien compris, je n'ai pas à l'expliquer. Les adultes de cette planète s'enrichissent directement sur votre maladie. C'est clair. Diminuer leur suprématie sur vous, diminuer leur impact en leur disant, moi, en termes de boisson, je ne bois que de l'eau et que de lait maternel. De la naissance à la mort. Ce sont les deux seules boissons qui rentrent dans mon corps. Et avec cette méthode, 10 lions tombent en 7 jours. D'un oiseau tombe en 6 jours. Cacapola tombe en 2 semaines. C'est-à-dire que votre simplicité et votre sagacité à dire non merci à tout ce qui n'est pas nécessaire et biologique va faire que ces industriels n'auront plus aucun contrôle sur vous, largement moins de contrôle sur vous en ce qui concerne le liquide qui rentre dans votre corps. Faites très attention, je vous en supplie. Les enfants, ils vont tous ces démons là qu'on appelle les adultes, ils vont tous chercher. Si, c'est la fête. Bois un peu, goûte, prends. Non, mais je bois pas. Non, mais goûte quand même. Non, mais je ne savais pas que vous continuez. Goûte, c'est qu'une seule fois. Ça ne va pas te tuer. Ils vont chercher à vous faire pénétrer dans une case débile qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert simplement à devenir adulte, à devenir alcoolique, ça sert simplement à élever la capacité de violence dans une société. C'est culturel maintenant la bigognerie en France. C'est culturel l'alcoolisme en Martinique. On en a fait une culture, on en a fait une marque de la virilité. Alors, qu'ils ont voulu boire l'alcool ? Vous en avez chercher par tous les moyens à vous empoisonner. Les adultes de cette planète, école, famille, religion, administration, ils vont chercher. Et quand vous allez leur dire non, ils vont s'énerver. Faites le test. Ne cédez pas aucune bête. Et ne buvez que de l'eau. Pendant un an, on s'en parle. Ils vont être fâchés. Ils vont me reprocher de ne pas être aussi addict qu'eux. Je tire un trait sur les adultes. Je parle de plan mute, c'est-à-dire de 0 à 17. Tous les autres, s'ils veulent s'empoisonner, grand bien en face. Laissez-les en réalité, laissez-les s'entretuer. Laissez-les dans le dilon, laissez-les faire du zouk, laissez-les dans la télé, laissez-les dans leurs ivrogneries, laissez-les dans l'alcoolisme, laissez-les dans le sucre, laissez-les. Parce que tu sais très bien que pour faire un litre d'alcool, il faut 10 litres d'eau.
que vous allez dire en Afrique, il n'y a pas d'eau. Mais c'est vous les Kouki qui volez cette eau, en fait, pour faire des cons. Parce que pour faire un litre de Coca-Cola, il faut 10 litres d'eau. Alors, on choisit lequel? On choisit celui qui vous dit, faites 100 euros d'achat, et avec 100 euros d'achat, vous pouvez avoir un bon pour acheter l'alcool gratuitement. Vous savez ça, hein? On vous donne des bons pour acheter l'alcool gratuitement quand vous faites 100 euros d'achat. Les adultes vont vous tenter par tous les moyens. Résistez, on s'en bat les couilles, on s'en bat les ouvrages. BLC, BLO. Ils sont fâchés contre les gens qui sont simples. Ils sont fâchés contre les gens qui pratiquent le minimalisme. Ils sont fâchés contre les gens qui ne veulent pas s'endetter. Diminuer, arrêter dès aujourd'hui une autorisation de découvert. Vous ne faites aucun microcrédit, aucune dette, aucun découvert. Vous êtes à zéro, c'est votre problème, débrouillez-vous. Aucune dette. Vous êtes encore enfant, vous n'avez pas de compte bancaire. Le jour où on vous donne la carte, allez à la banque et dites « je refuse le découvert ». Ce sera votre premier acte responsable. Vous ne le faites pas, vous allez tomber très très vite comme ces démons qui vous ont mis sur terre, qui vous demandent jamais pardon. C'est pour ça que je dis comme Fanny Wa. Parce que Fanny Wa a ramené tous ses enfants, comme Sema a ramené tous ses enfants dans mes conférences depuis l'an 2013. 2014, comme ça. Ça fait quelques années, en tout cas. Les applaudissements pour celles qui nous filment aujourd'hui, je suis civil. Donc, quand je bégaye, tu fais le montage, j'enlève le bégaiement, t'enlèves tous les trucs. Ça veut dire carrément. Les enfants. Alors, ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants, les mains en l'air. Enfin, enfants, je veux dire mineurs, hein, tu vois, de 0 à 17. Tous les mineurs, les mains en l'air. Mineurs, ça veut dire de 0 jusqu'à 17 ans, en fait, hein, 18, quoi. Carrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, il y a quelqu'un qui va gagner un livre. Il y a deux autres enfants. J'ai envie d'offrir. Il y a combien d'enfants ce soir? Tous les mineurs, les mains en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire gagner 5 livres gratuitement. Deux livres gratuitement à celles qui vont répondre correctement aux questions suivantes. Et je crois les mineurs. Et je parle de mon deuxième livre. Je parle de mon deuxième livre, celui-ci. Ok? Il y a un moment. So, première question. Pour ceux que. Pour tout ce que vous avez voté ce soir, quelle est l'opération, quelle est la stratégie qui va permettre à ces démons, vos ennemis, de mourir? C'est-à-dire les gens qui vous empoisonnent, en réalité. Hein? Quelle est la stratégie qui va leur permettre de décliner en 7 jours? Ah, il y en a qu'un seul? Bon, toi, ta famille a déjà mon livre, mais bon, je pense que tu vas gagner des ennemis. Alors la question est la suivante, qu'est-ce qui va permettre, en fait, à ces démons qui t'empoisonnent, de plus t'empoisonner, c'est-à-dire de faire faillite. D'abord que de l'eau et de maternelle. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez, c'est gagné. Tu pourras déjà te souvenir de me voir pour tout à l'heure. Viva! Qu'est-ce que ça veut dire? BLC. BLC, ça veut dire qu'on parle de couilles. Pour les femmes,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on te propose, qui n'est pas physiologiquement nécessaire à ta vie, tu dis non. Non merci, je m'en bats les couilles. Non merci, je m'en bats les ovaires. Pourquoi? Parce qu'en termes de boisson, de la naissance à la mort, on ne consomme que du lait maternel et de l'eau. Toutes les industries vont tomber avec ce programme. C'est faux. Mais vous ne voulez pas ça. Je le sais. Je vous mets au défi de le faire. Ça fait 17 ans que je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je vous dis de faire ça. 17 ans plus tard, on est au même point. Vos parents ne veulent pas faire ça. Ils veulent continuer à boire de l'alcool. Ils ne veulent pas rentrer dans le programme où on ne boit que de l'eau. Parce que c'est culturel. Parce qu'il y a une fête. Il y a toujours des occasions pour vous empoisonner en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? La conclusion qu'elle est. Soit tu l'achètes, soit tu le conserves au freezer, soit tu le... Parce que forcément, vous ne voulez plus faire la polygynie. Hein? Ça aussi, vos parents préfèrent la monogamie sérielle, un truc qui ne marche pas. C'est dans mon deuxième livre que c'est expliqué. Je suis à peu près deux minutes. La polygynie, ça aurait été tellement simple que les femmes partagent en fait leur expertise et leur sein en fait, leur lait. Mais ça, c'est plus un réflexe. Non. Donc il a fallu que j'en fasse un livre. Tu comprends ce que je dis? Il y a vraiment une question. C'est quoi la toi, t'as gagné un livre, non? Alors, qui a gagné un livre? Ah, c'est dans mon deuxième livre, demande à ta maman de l'acheter. De toute façon, elle l'a. Demande à ta maman de l'acheter. Elle va t'expliquer. Pour les filles. C'est dans le petit. Ok. Je prends pas de questions parce que je ne parle pas aux adultes, enfin plus aux adultes. Je vais simplement vous dire merci pour votre écoute. Mes contacts, pour ceux qui ont des cliniques, des crèches, des associations, des maisons, parce qu'il ne faut pas attendre que je passe dans tel et tel établissement. Vous avez des maisons, mais vous mettez des chaises, et c'est faire ma conférence. Je ne demande aucun argent. Je demande simplement que vos enfants m'écoutent. Parce que s'il fallait encore faire payer vos parents pour qu'ils m'invitent, ils vous inviteraient jamais. Parce que ce sont vos ennemis informés. Ils préfèrent largement entendre qu'on vous dise « Allez, écoute musique, va faire carnaval, va faire sexualité, va faire hypersexualité, va faire alcool, va faire fumette. Hein? » Ça, ils vous le disent tous les jours. Mais pour inviter ton compère ici, ils ont peur. Et c'est pour ça que vous, les mineurs, vous n'avez pas peur et que je vous remercie ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, que vous êtes en bonne santé. À bientôt. Allez, contact. Quand vous pourrez sortir de mon stand, donc mon stand est sur la droite, et vous verrez. C'est pour ça que la soupe a été finie par les hauts. C'est bon, il n'y a pas les accepter. 1804,
discrimination légale que l'esclavage maridion. Nous gagnons la force, parce que nous avons la force. Mais si nous avons la force, vous foutez nous mon jeune. Si vous pas t'arrêter, nous t'avons fini de force. Parce que nous avons la force, nous sommes la fiction. Aujourd'hui, nous la soupçons. L'esclavage n'a dit que nous voyons qu'on tombe. Et nous nous cachons les travails à plus d'un temps. Nous sommes obligés de signer une partie contente. Aujourd'hui, nous la soupçons. L'esclavage n'a dit que nous voyons qu'on tombe. Et nous nous cachons les travails à plus d'un temps. Nous sommes obligés, ouais. Prince, quand je vais vous dire, coupez tête pour les cas. On pas qu'à ça vous pétez, on pas qu'à ça vous pétez, c'est le gros frère nous vous pétez, on pas qu'à ça vous pétez pour les gars, on pas qu'à ça vous pétez pour les gars, vous connaissez le gros frère, c'est parti. Eh, ouais, vous pétez pour les gars, c'est le gros frère nous vous pétez pour les gars, vous laissez les frères nous vous pétez pour les gars, c'est nous qui croyons en Dubaï, chai. Yes, I am pretend to be a guy. Send your friend when you pretend to be a guy. We say it when you pretend to be a guy. On the way. Aujourd'hui, yes, I am. Aujourd'hui, est-ce que dans le fond ça va? Est-ce que devant ça va? Au revoir. Well. Yo, pas les nouvelles, parce que pas les nouvelles encore nous. Yo, 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 pas les mais nous caillons pas les comme les maïcons, y'a pas les pièces, nous n'avons pas nous, pas les nénénénés, nous t'avons vu, pas les nénénés, là c'est nous qui parlons, ça nous t'avons vu, dit pas les nénénés, allez, si ça nous passe, c'est la boule nénénés, tu fais la boule nénénés. Sot pare, anda nene nene kusu pare nene kami pare nene nene kusade nene nene pare nene nene pare kui well pass. Aujourd'hui, nous la soupçons comme l'esclavage qui coûte fouet et coton. Que nous dégageons les travails à vous s'attendre. Nous t'es obligés même si nous partons contents. Aujourd'hui, nous la soupçons comme l'esclavage qui coûte fouet et coton. Que nous dégageons les travails à vous s'attendre. Nous t'es ouais la place, mon patate. Hey, coupez une tête pour les cailles. Mon patate, coupez une tête pour les cailles. Moi, les gens, coupez une tête pour les cailles. C'est nos victoires en Dubaï, Jack, mon Zouka, Pétain pour les gars. C'est le gros frère, nous, Pétain pour les gars. C'est les frères, nous, Pétain.